les amis, voilà, je veux vous présenter mon petit setup. Ça a été demandé plusieurs fois à ce que nous passe l'outil de présentation du setup. J'espère que vous avez aimé les petits rushs que j'ai pu faire juste avant ceci. Et là maintenant, direction le setup et je vous explique tout ça en détail, les amis. A tout de suite. Les amis, on est ici directement sur le petit volant G920 accompagné du pédalier. Alors vous pouvez voir au niveau du câble management, c'est quand même assez propre, sauf quelques câbles que je dois encore regarder à essayer de trouver une solution, ceux qui sont un peu courts et qui passent comme ça. Mais sinon, par rapport à l'orientateur, c'est relativement propre. Alors, on est sur un petit clavier ici de chez Colmaster. Voilà, je ne me souvenais plus de la marque, excusez-moi. Le Colmaster, ici, très joli RGB. Franchement, clavier mécanique, pas super bien. Là, c'est mon petit rechargeur à induction. Le joli tapis RGB de chez Flowup en XXL. Le joystick que tout le monde aime, enfin moi personnellement j'aime. Le Extreme 3D Pro. Là, la petite manette PS4. Ça c'est quand on joue tranquillous. La petite barre de son. Alors on est sur deux écrans les amis, deux écrans en double screen forcément. Asus en 60 Hz tous les deux. Voilà, voilà, une belle petite perche. Je ne saurais plus vous dire le nom de la perche, avec un micro qui va super bien. Le nom du micro, je vais vous le dire, parce qu'il est inscrit juste là. Alors, c'est le FNB. Voilà, FNB, c'était une marque que j'avais trouvée pas très chère. Et que je suis assez content, il est assez propre. Au niveau du casque Crossair filaire, bien sûr. Voilà, alors vous avez vu, j'ai mis une petite plante ici. Voilà, les lumières qui sont là derrière. Au-dessus, quelques étagères aussi, avec les lumières, quelques figurines. Là aussi, une autre étagère. Une petite collection de casquettes, comme vous avez pu voir dans le rush. Voilà, voilà. Alors, souris aussi, Coolmaster. Alors, sur mon PC, on est sur un PC, une carte MSI. La PC250 Mat, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on a un Bicouette en refroidisseur de processeur, en ventirade. On est sur un Intel i5 7500. Alors en barrette de RAM, je ne sais pas parce que si vous allez savoir voir comme ça, c'est assez embêtant, ça ne serait pas voir. On les aperçoit un petit peu, mais avec une luminosité, c'est pas évident. Elles sont juste là. Alors on est sur 2 x 8Go, donc 16Go de RAM. J'ai deux disques durs, là on peut bien les apercevoir. Deux disques durs chacun de 1 Tera, donc ça fait 2 Tera. Et on est sur le SSD qui est juste là au-dessus, mais là aussi je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, on le voit là, on aperçoit un petit peu le blanc et le rouge. Je ne sais pas si vous saurez voir les amis. Là on est sur un SSD de 480 Go. On a aussi notre petit webcam OK qui va assez bien. Franchement, je suis assez content. Et quelques éléments de décoration. Et on refait une fois un petit tour, le petit siège aussi. Voilà un siège gamer qu'on est bien. J'avais acheté ça en grande surface. Et on est franchement vraiment bien mis dedans, c'est tout réglé. C'est assez propre. J'en suis assez content. Mais voilà les amis, je vous laisse encore une petite vue assez éloignée que vous rendiez compte un petit peu. Ben j'espère que vous avez apprécié, que vous aimez mon setup. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de décoration ou si j'aurais pu faire mieux une chose ou l'autre. Dites-moi, n'hésitez pas les amis, j'attends vos commentaires avec impatience. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.